On prend la direction de Veitarua, à Taravo. La dernière journée du championnat de Polynésie de motocross y est tenue ce matin. Une journée de compétition en hommage à l'un des plus grands crossmen de son temps, Roberto Coen. Notre journaliste Davidson Bennett était sur place. Cette dernière journée de motocross a débuté avec un défilé de jeeps vrombissant sur le terrain de Veitarua. Une dernière journée de compétition organisée en hommage à l'un des plus grands de la discipline, Roberto Coen. Roberto, c'est l'homme qui a montré que la machine ne suffisait pas. C'est d'abord le bonhomme qui fait tout. En mémoire de Roberto Coen, un ancien champion de moto, de cascadeur, tout ce que vous voulez. Il a bien rempli sa vie dans le domaine du sport. En ce qui concerne le championnat de Polynésie de motocross, le nom des Eito du Fénois pour cette année est connu depuis la semaine dernière. Dans la catégorie reine, celle des MX1, c'est Jonas Lewin qui l'emporte. La fédération est très heureuse de voir ses rangs se développer encore et encore. Elle a pu compter en course pour cette saison pas moins d'une quarantaine de pilotes. On a eu des difficultés, mais on s'est bien remonté, tout ça. Chacun a fait sa part des choses et puis voilà, la Fédé est vraiment confiante dans le domaine du sport. L'ancienne génération est passée, la nouvelle arrive avec un nombre de pilotes de 21 petits pilotes. La nouvelle génération viendra à la saison prochaine grossir les paddocks de Veitarua. Pas moins d'une soixantaine de coureurs est attendue la saison prochaine.